Bonjour ou bonsoir à tous. Bienvenue sur votre chaîne de télévision Réveil TV. Voilà, comme vous pouvez le constater, je ne suis pas seul sur le plateau. Je suis avec mon frère Chris. Bonjour Chris. Oui, bonjour Ivra. Comment tu vas? Ça va bien, grâce à Dieu, merci. Ok. En tout cas, donc nous sommes là dans le cadre de l'émission Réveillez-vous. Et par la grâce de Dieu, on souhaiterait partager la parole sur un thème. Et avant toute chose, on tient déjà à bénir le Seigneur pour l'opportunité et la grâce qu'il nous accorde de pouvoir être sur le plateau. Non pas qu'on soit meilleur, hein, mais parce que Dieu, dans sa miséricorde et dans sa bonté, a bien voulu nous permettre de pouvoir partager sa parole et on veut véritablement l'honorer et lui rendre toute la gloire. Amen. Voilà, donc on va s'incliner dans la prière pour présenter cette émission au Seigneur. Seigneur, merci pour ta grâce, pour tes bienfaits encore. Et nous ne cesserons de te rendre toute la gloire et de te dire merci en toute occasion, Seigneur. Prends le contrôle de toutes choses encore, Seigneur, et dirige ces moments au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Voilà, donc sans plus tarder, on va prendre un passage biblique dans le livre de Matthieu, au chapitre 24. Matthieu, au chapitre 24. Matthieu 24. À partir de quel verset? On va prendre à partir du premier verset. Matthieu 24 à partir du premier verset. Voilà. Donc, je ne sais pas si tu veux faire la lecture. Oui, il n'y a pas de souci. Donc, on est dans Matthieu chapitre 24 à partir du premier verset. Et comme Jésus sortait et s'en allait du temple, ses disciples s'approchèrent de lui pour lui faire remarquer les bâtiments du temple. Mais Jésus leur dit, voyez-vous bien toutes ces choses? Amen, je vous le dis, il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit détruite. Verset 3. Puis s'étant assis sur la montagne des Oliviers, ses disciples vinrent à lui en particulier lui dire, dis-nous quand ces choses arriveront-elles et quel sera le signe de ton avènement et de l'achèvement de l'âge? Verset 4. Et Jésus répondant leur dit, prenez garde que personne ne vous égare, car beaucoup viendront sous mon nom en disant, je suis le Christ, et ils égareront beaucoup. On va s'arrêter là. Voilà, donc le verset qui nous intéresse beaucoup, c'est à partir du verset 3. Donc si on peut légèrement remonter, voilà. La Bible nous dit, puis s'étant assis sur la montagne des Oliviers, ses disciples, c'est-à-dire Pierre, Jacques, Jean et Pierre, Jean et les autres, voilà, qui étaient avec eux, vont se rapprocher, Jacques, vont se rapprocher pour demander à Jésus, dis-nous quand ces choses arriveront-elles? Et quel sera le signe de ton avènement et de l'achèvement de l'âge? Verset 4. Et Jésus répondant leur dit, prenez garde que personne ne vous égare. Dans d'autres versions, il est question de personne ne vous séduise. Et on sait tous que égarer et séduire, c'est en fait, ils ont la même racine grecque en Bien fait. sûr. Voilà. Et car beaucoup, verset 6, verset 5, car beaucoup viendront sous mon nom en disant, je suis le Christ, et ils en égareront beaucoup. Et donc, on comprend ici que le Seigneur donne une introduction par rapport à la fin des temps, parce que c'est la question que les disciples posent, c'est quel sera le signe de l'achèvement de l'âge? Donc en rapport avec la fin des temps dans laquelle nous sommes, bien sûr, parce que on comprend bien que lorsque Pierre va prendre la parole dans Acte 2 pour dire c'est ici ce que le prophète Joël avait écrit en disant dans les derniers temps, dit le Seigneur, je reprendrai de mon esprit sur toute chair. Donc c'est en rapport avec la fin des temps, les derniers temps, et ici, les disciples vont poser la question au Seigneur pour dire quels seront les signes en fait de ton avènement et de l'achèvement de l'âge. Et le Seigneur va dire, il va donner un avertissement. Il va dire, prenez garde que personne ne vous égare. En fait, on comprend que les temps dans lesquels nous sommes sont caractérisés par l'égarement. Et donc, le thème de ce soir, en fait, c'est de parler de la séduction ou de l'égarement. Voilà, on va plutôt parler de la séduction ou les séductions. Bien Voilà. sûr. On va parler des séductions parce qu'il y en a plusieurs. Voilà, il y a plusieurs séductions. Mais on comprend effectivement que derrière la séduction, il y a quelque chose de fondamental qui est la désobéissance face au commandement de Dieu, donc le péché. Voilà, c'est la séduction qui caractérise, c'est cette séduction qui caractérise l'ensemble et dont découlent les autres. Donc, c'est vraiment de ça dont on veut parler. Donc, peut-être avant d'aller dans les détails, peut-être donner la parole à Chris si tu voudrais dire quelque chose.
Et donc, en tout cas, je bénis Dieu déjà pour le passage qu'on vient de lire. Et on comprend que si le Seigneur ici peut nous mettre en garde par rapport à la séduction, parce qu'il est réellement conscient que c'est, on va dire, l'arme principale que Satan utilise. Vous voyez? L'arme principale que Satan utilise, n'est-ce pas, c'est la séduction. Pourquoi? Parce que on parle ici de séduction, on parle d'égarement, mais la racine aussi de ce mot nous parle de la tromperie, on nous parle aussi, n'est-ce pas, du fait de sortir du droit chemin. Donc on comprend que le but principal de Satan, c'est de nous sortir du droit chemin. Je ne sais pas si on peut prendre un passage, c'est possible. Je veux qu'on prenne un passage rapide dans Genèse, chapitre 3. Genèse chapitre 3, on va lire à partir du verset 8. Genèse chapitre 3, à partir du verset 8. Donc, c'est vraiment un thème capital. C'est un thème capital parce qu'on a vraiment un adversaire qui veut nous égarer du droit chemin. Donc, on est dans Genèse chapitre 3, à partir du verset 8. Alors, ils entendirent au vent du jour la voix de Yahweh Dieu qui se promenait dans le jardin. Et l'être humain et sa femme se cachèrent loin de la face de Yahweh Dieu au milieu des arbres du jardin. Verset 9. Mais Yahweh Dieu appela Adam et lui dit, où es-tu? Il répondit, j'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur parce que je suis nu et je me suis caché. Verset 11. Et Dieu dit, qui t'a appris que tu es nu? Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger? Adam répondit, la femme que tu m'as donnée pour être avec moi m'a donné du fruit de l'arbre et j'en ai mangé. Verset 13. Et Yahweh Dieu dit à la femme, pourquoi as-tu fait cela? Et la femme répondit, le serpent m'a séduite et j'en ai mangé. Donc ici, c'est la racine, c'est la première histoire qui nous parle de la séduction, c'est l'histoire avec Adam et Ève. Donc on comprend, n'est-ce pas, que Dieu donne à l'homme et à la femme de restrictions par rapport au jardin. Il dit, vous mangerez de tous les fruits, n'est-ce pas, de l'arbre, sauf celui de la connaissance du bien et du mal. Mais on connaît l'histoire, il y a le serpent qui s'est présenté à la femme, et par la ruse, et par la malice, et par la tromperie, il a amené la femme, n'est-ce pas, à désobéir à la parole de Dieu. Donc ici, la femme dit, n'est-ce pas, on peut revoir le passage, s'il vous plaît. Et Yahweh Dieu dit à la femme, pourquoi as-tu fait cela? Et la femme répondit, le serpent m'a séduite et j'en ai mangé. Mon frère, revoir, qu'est-ce qu'on peut dire déjà là? Le serpent m'a séduite et j'en ai mangé. Mais on peut comprendre déjà que celui qui séduit, c'est Satan, c'est C'est le serpent. Satan. Voilà. Parce que la Bible nous parle dans Apocalypse 12 justement du serpent ancien, c'est lui qui séduit en fait toute la Oui. terre. Voilà. Donc ici, on voit que lorsqu'on parle de la séduction, il faut d'abord le retenir. Celui qui est derrière ou celui qui est l'auteur de la séduction, c'est le diable, c'est Satan. C'est vrai qu'après, il peut utiliser les hommes, il utilise plusieurs canaux, n'est-ce pas, pour nous égarer du droit chemin. On comprend que l'auteur même de la séduction, c'est Satan. Parce que son but, c'est de nous sortir, n'est-ce pas, du droit chemin. C'est de nous sortir des commandements de Dieu, c'est de nous sortir aussi de la présence de Dieu. Donc le but de la séduction ici, donc le tort de la séduction même, c'est Satan. Donc voilà un peu ce que je pouvais dire dans un premier temps par rapport à la séduction, mon frère. Je dis Amen. Et moi, souvent, à chaque fois que le Seigneur m'amène à pouvoir travailler, à méditer sur certains thèmes, certaines thématiques bibliques, effectivement, c'est toujours bon de repartir à l'origine, de comprendre, en fait. Parce que la Bible nous parle justement du renouvellement de toutes choses. Et on sait que la mort de Christ à la croix est venue dans le but de pouvoir renouveler justement cette relation que Adam a perdue avec Dieu dans le jardin d'Éden par la séduction. Bien sûr. Et nous savons que Christ est mort à la croix afin de détruire les œuvres de Satan, en fait, de détruire les œuvres des ténèbres pour que nous soyons réconciliés avec Dieu. Et donc, effectivement, nous savons que malgré le fait que nous sommes réconciliés avec Dieu, Satan cherche toujours à nous séduire pour nous sortir de l'Éden dans lequel Dieu nous avait Bien placés. sûr. Et donc, il est vraiment important que nous comprenions que ce que Satan a fait avec Adam et Ève, il veut le faire aujourd'hui. Bien sûr. Et Satan a pris conscience d'une chose, c'est que les techniques qu'il a utilisées hier ont marché, et ça marche encore aujourd'hui. Bien sûr. Et ça marchera encore demain. Mais pour ne pas tomber dans les plans du diable, nous avons besoin d'être avertis par rapport à comment le diable travaille. Et c'est pourquoi justement ce partage, cet enseignement, pour que nous soyons tous édifiés. Donc, pour revenir sur le passage de Matthieu 24, qu'on a eu l'occasion de prendre, on a compris effectivement que le Seigneur nous avertit que les temps de la fin sont caractérisés par une forte séduction. Bien sûr. Et comme on disait, on voulait commencer à partager justement par rapport à la séduction du péché. Vous voyez?
C'est vrai que le Seigneur dit, il dit que personne ne vous égare, car certains diront que le Christ est là, je suis le Christ, vous voyez? Voilà. Mais on voudrait commencer à partager déjà par rapport à la séduction du péché. Et donc, tu voulais dire quelque chose? Non, c'est Et bon. donc, par rapport à cela, on va prendre un passage, on va prendre Hébreu. On va prendre Hébreu. On va prendre Hébreu. Hébreu 3. Partie du verset 12. Ok. On va lire à partir du verset 12. Hébreu 3 à partir du verset 12. Je vais faire la lecture. Mes frères, prenez garde que personne parmi vous n'ait un cœur mauvais qui manque de foi et s'éloigne du Dieu vivant. Mais exhortez-vous, le verset 13, mais exhortez-vous les uns les autres chaque jour pendant que ce jour nous éclaire, de peur que quelques-uns d'entre vous ne s'endurcissent par la séduction du péché. Voilà, donc on comprend ici que il y a des gens qui s'endurcissent, qui peuvent s'endurcir par la séduction du péché. Voilà. Et ici, l'auteur de l'épître aux Hébreux nous demande justement de prendre garde, c'est-à-dire de faire attention, de veiller à ne pas être, on nous dit au verset 13, mais exhortez-vous les uns les autres chaque jour, pendant que ces jours nous éclairent, de peur que quelques-uns d'entre vous ne s'endurcissent par la séduction du péché. Donc, on nous donne ici une première indication, c'est que la séduction du péché nous amène à nous endurcir. Donc, l'une des conséquences de la séduction du péché, c'est l'endurcissement. L'endurcissement vis-à-vis de qui? Vis-à-vis du Seigneur, vis-à-vis de la parole de Dieu, vis-à-vis des commandements du Seigneur. Et comme ça, à l'esprit, quand on parle de l'endurcissement, je peux comprendre pourquoi Paul nous parle par rapport aux caractéristiques de la fin des derniers temps, quand il dit que les enfants seront rebelles à leurs parents. Donc on comprend que cette rébellion-là, c'est un endurcissement justement par rapport à la parole de Dieu, parce que c'est le Seigneur qui a dit, enfants, obéissez à vos parents selon le Seigneur. Et dans Exode 20, on sait aussi que dans les 10 commandements, Dieu a demandé à ce que l'enfant puisse honorer son père et sa mère parce que c'est un commandement avec promesse. Et nous savons justement que cet endurcissement-là est aussi relatif et caractéristique des signes de la fin du temps. Donc ici, la Bible nous fait comprendre que l'une des conséquences de la séduction par rapport au péché, c'est l'endurcissement des cœurs. Maintenant, c'est quoi la séduction du péché? C'est quoi la séduction par rapport au péché? Mais on peut donner quelques exemples, hein. La séduction par rapport au péché, c'est par exemple le fait de dire quand quelqu'un vit dans le péché, vit dans l'adultère, vit dans le concubinage et sera sauvé. Ça, c'est une séduction, c'est-à-dire on se borne nous-mêmes par des faux raisonnements en se disant que malgré la situation dans laquelle on est, on va être sauvé. Vous voyez? Et c'est une séduction. Et cette séduction-là peut passer par beaucoup de moyens. Par les enseignements, par les traditions, Bien sûr. par les coutumes, voilà, par le raisonnement. Ouais, et Satan passe par ces choses pour convaincre l'homme que malgré sa situation de péché, il sera sauvé. Aujourd'hui, on rencontre beaucoup de personnes qui vivent dans des unions libres, voilà, pendant plusieurs années, qui ont fait des enfants, à qui on prêche l'évangile et qu'on interpelle pour leur dire votre situation ne plaît pas au Seigneur, et qui se séduisent elles-mêmes en disant Dieu lui-même connaît. Et Dieu lui-même fera autant opportun. Ça, c'est la séduction par rapport au péché. Et cette séduction-là, elle touche deux catégories de personnes. Les convertis et les inconvertis. Voilà. Les convertis et les inconvertis. Donc voilà, je vais donner la parole à Chris pour qu'on puisse continuer par rapport à cette partie. Donc, on est sur la séduction par rapport au péché. Et je ne sais pas si les frères peuvent remettre le passage d'Hébreux chapitre 3. Je crois déjà que le frère a souligné beaucoup d'aspects, beaucoup de points. Mais le verset 13 va dire, mais exhortez-vous les uns les autres chaque jour pendant que ce jour nous éclaire, de peur que quelqu'un d'entre vous ne s'endurcisse par la séduction du péché. Donc, ici, on nous parle de la séduction du péché. Mais ce que j'ai envie de relever, c'est que le but même de la séduction, c'est de nous faire pécher contre Dieu. Vous rappelez l'histoire qu'on a vue tout à l'heure avec Adam et Ève, n'est-ce pas? Dieu les place dans le jardin d'Éden et Dieu leur donne des restrictions, demande de ne pas manger le fruit de la connaissance du bien et du mal. Et lorsque Satan arrive, n'est-ce pas? Il vient
avoir un échange avec Ève. Et le but de cet échange, n'est-ce pas, était d'amener Ève à douter du commandement de Dieu. N'est-ce pas? Le but de cet échange, c'était d'amener Ève à, n'est-ce pas, à convoiter, à pécher contre Dieu. Et comme ça, il y a un passage qui me vient à l'esprit, dans Jacques. Il y a vraiment un passage qui me vient à l'esprit. Donc, on va beaucoup tourner par rapport au passage, voilà. Parce que c'est la parole de Dieu qui est le sceau. Donc, on est dans Jacques, chapitre 2. Jacques, chapitre 1, autant pour moi. Jacques, chapitre 1, on va lire à partir du verset 13. Jacques, chapitre 1, à partir du verset 13. Donc, on est sur la séduction par rapport au péché. Donc, comme on a déjà vu dans un premier temps, celui qui est derrière l'auteur de la séduction, c'est Satan. Et lorsqu'il vient pour nous séduire, on a vu tout à l'heure avec Evra la séduction... l'endurcissement du cœur, n'est-ce pas? On a vu que Satan profite par l'endurcissement du cœur, n'est-ce pas, pour nous séduire. C'est ça, non? Voilà. Donc, on va voir un autre aspect de la séduction par rapport au péché. Donc, dans Jacques, chapitre 1, on va lire à partir du verset 13. Que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise « Je suis tenté par Dieu », car Dieu ne peut être tenté par le mal et aussi ne tente-t-il personne. Gardez le passage sur l'écran. Donc, ici, qu'est-ce qu'on apprend? On apprend que derrière la tentation, derrière le mal, il n'y a pas Dieu. Donc, au fait, on peut comprendre ici que lorsqu'un chrétien, lorsqu'un enfant de Dieu tombe dans le péché, ce n'est pas Dieu qui est derrière, c'est Satan. N'est-ce pas? Et le verset 14. Mais chacun est tenté quand il est attiré et attrapé avec un appât par sa propre convoitise. Donc, on voit que notre convoitise est le résultat d'un appât. Comme ici, dans le jardin d'Éden, lorsqu'on se rappelle, Satan a usé un appât pour attirer, pour faire en sorte que Ève pêche. Cet appât, c'était la discussion. Ils ont commencé à échanger et Ève a commencé à douter du commandement de Dieu. Et lorsqu'ils ont commencé à échanger, n'est-ce pas, Ève a commencé à s'apercevoir que le fruit était agréable à la vue et bon à manger. Donc on voit ici que Satan, pour nous séduire par rapport au péché, il procède par un appât, il procède aussi par la convoitise. Donc ici il dit que chacun est tenté quand il est attiré et attrapé avec un appât. L'appât c'est l'image de l'hameçon. Donc lorsqu'on veut pêcher tout ça là, il y a l'hameçon, mais on met généralement un bout de pain ou on met de la nourriture sur l'hameçon. Et ça l'appât qui a pour but, n'est-ce pas, de capturer le poisson. Donc on ne tombe pas dans le péché par hasard. Satan procède toujours par un appât. Je prends un exemple. Si quelqu'un avait un problème par rapport au sexe avant de se convertir, la passe que Satan va généralement mener vers lui les jeunes filles. Mais si lui ne se discipline pas personnellement, il ne comprend pas que, ah, derrière, n'est-ce pas, toutes les femmes qui viennent vers moi là, il y a Satan qui est derrière parce qu'il veut me faire chuter, n'est-ce pas, il va commencer à convoiter. Il va commencer à penser qu'il est intéressant. Il va commencer à croire qu'il est le plus beau, n'est-ce pas. Et là, Satan va commencer à le séduire. Et il va se retrouver, n'est-ce pas, dans le péché. Donc ici, on apprend que la séduction par rapport au péché travaille avec la convoitise. Satan, pour nous faire tomber, n'est-ce pas, il procède par la convoitise. Il commence à nous faire admirer le fruit. Il commence à nous faire admirer l'interdit. Il commence à susciter dans nos cœurs, n'est-ce pas, un désir de convoiter l'interdit. Donc ici, Jacques nous apprend que le péché commence par la convoitise. Verset 15, il dit, puis quand la convoitise a conçu, elle enfante quoi? Elle enfante le péché. Et le péché étant consommé, produit la mort. Donc là, c'est les étapes ici, on peut voir comment Satan procède, n'est-ce pas, pour nous faire chuter. On est sur la séduction par rapport au péché. Donc, il y a un appât que Satan, n'est-ce pas, place devant nous. On dit au verset 15 que puis quand la convoitise a conçu, dans le but de Satan, n'est-ce pas, c'est nous amener à convoiter. Parce qu'au fait, il est conscient que la convoitise doit concevoir. Au fait, le but de la convoitise, ce n'est pas de nous amener simplement à convoiter et de ne pas aller jusqu'à l'acte. Le but de la convoitise, c'est nous amener à concevoir quoi? L'enfantement. Donc la conception, c'est la convoitise. L'enfantement, c'est le péché. Donc, frère, on a besoin d'être éclairé par rapport à ces choses. Satan ne va jamais nous faire tomber par hasard. Vous avez vu avec Adam et Ève, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait sortir
l'homme et la femme de la présence de Dieu. Satan, pour nous faire chuter, pour nous séduire par vos péchés, il nous sort de la présence de Dieu. Il nous sort de la prière, il nous sort de la méditation de la parole. Pourquoi? Parce qu'il sait que lorsqu'on est plus dans la présence de Dieu, on devient vulnérable. Vulnérable par rapport au péché. Parce qu'il est conscient, n'est-ce pas, que plus on est dans la présence de Dieu, plus Dieu nous parle. Dieu, n'est-ce pas, peut nous interpeller par rapport au mal. Mais lorsqu'on est sorti, on est comme exposé. Donc ici, c'est les étapes. La convoitise a conçu, elle est enfant de le péché. Le péché étant consommé, produit la mort. Et Satan est conscient, n'est-ce pas, que le but du péché, c'est de nous amener à la mort spirituelle, à la séparation avec Dieu. C'est pourquoi, frère, sans prétention, on veut vraiment réveiller les chrétiens. L'une des armes les plus puissantes que Satan utilise dans ce temps de la fin, c'est vraiment la séduction par rapport au péché d'abord. Parce qu'il est conscient, n'est-ce pas, que Dieu n'aime pas le péché. Dieu aime le pécheur, mais Dieu n'aime pas le péché. Et il procède toujours par la convoitise. C'est un appât. Parce qu'il est conscient, n'est-ce pas, que tous les chrétiens ont une zone de protection. On a tous une zone de protection qu'on ne doit pas franchir. N'est-ce pas? Et ici, il a sorti la femme, n'est-ce pas, du cadre que Dieu, du cadre légal, du cadre biblique. Parce que lorsque Dieu place l'homme et la femme dans le jardin, il ne leur permet pas d'être en conversation avec Satan. Et tu vois ici que la séduction du péché nous aveugle. Parce qu'elle était même plus consciente qu'elle était en train de discuter avec le serpent. Elle était plus consciente, n'est-ce pas, que là, ton mille est en train de m'amener sur le chemin de la perdition. Parce que la séduction par rapport au péché vraiment durcit le cœur. Ça ferme le cœur à la parole de Dieu. Et c'est ce que Satan a fait ici. Et on voit avec Jacques, n'est-ce pas, que la première notion, c'est l'appât, la convoitise de Dieu. La convoitise de Dieu est conçue, elle enfante, elle donne naissance au péché. Et le péché étant consommé, conséquence immédiate, la mort spirituelle. Donc voilà un peu, mon frère, ce que je pouvais déjà dire par rapport à la séduction, par rapport au péché, mais je crois qu'il y a beaucoup à dire. Donc, il y a vraiment beaucoup à dire. Oui. Il y a vraiment beaucoup à dire, parce que pendant que tu parlais, le passage qui me venait, c'est « N'aimez point le monde, bien sûr, amen. Ni les choses qui sont dans le monde, car l'amour de Dieu est l'amour du monde est inimité contre Dieu. » Et l'une des choses par lesquelles Satan passe pour séduire, afin de pouvoir amener les gens dans la convoitise, donc qui est son arme, avant justement que le péché soit engendré, il passe par toutes les choses qu'il a faites. Regarde aujourd'hui tous les artifices que Satan met dans le monde. Si on est quand même un peu vrai, on peut constater qu'aujourd'hui, tout le monde devient de plus en plus beau. Bien sûr. Que ce soit les garçons comme les femmes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, avec très peu d'argent, les gens arrivent à devenir séduisants, en fait. C'est-à-dire que la séduction du corps, la séduction du visage, la séduction par la télé, toutes ces choses, ces affaires, ces différents appâts que Satan a mis pour pouvoir gagner les gens. Comment beaucoup de gens tombent, par exemple, dans le péché sexuel? On sait que un chrétien qui commence à regarder, par exemple, des chaînes où il y a des séries brésiliennes, Satan va le gagner par là. Et ça, l'appât. L'appât. Et Satan va l'amener à mettre dans son cœur une pensée pour dire, mais ça fait 5 ans que tu es dans la vie chrétienne, tu n'es pas marié. Regarde ce qui se passe dans les séries. Telle personne a volé le copain de sa copine. La sœur qui marche avec toi est fiancée, tu peux détourner. Et c'est comme ça qu'on retrouve maintenant dans nos assemblées chrétiennes les détournements de mari. Bien sûr, bien sûr. Pourquoi? Parce que ces personnes se font d'abord séduire parce qu'elles regardent par exemple à la télé. Et elles se font aussi séduire parce qu'elles ont tous les jours dans leur environnement, comme leur environnement de vie, au quartier, au travail. Par toutes ces choses, il y a une forme de séduction, un appât que Satan met autour de nous chaque jour dans nos vies. C'est pourquoi si on ne se discipline pas, on ne discipline pas ses yeux, on ne discipline pas ses pensées, on ne discipline pas ses oreilles, on ne discipline pas son cœur, on va se faire attraper par l'appât. Bien sûr. Et il y a beaucoup d'appâts. Il y a beaucoup d'appâts. Il y a tellement d'appâts, il y a tellement de choses. La deuxième chose qui me venait à cœur, c'était par rapport à la séduction, pour une histoire dans la Bible pour illustrer comment ça fonctionne, c'est, est-ce qu'on peut prendre 2 Samuel chapitre 11? C'est l'histoire de David. D'accord. Avec Bathsheba. Oui. C'est vraiment c'est profond. Parce que c'est profond. C'est vraiment ça, la séduction par rapport au péché. C'est-à-dire, ça s'est passé, on va lire à partir du premier verset. Donc, 2 Samuel, chapitre 11, à partir du premier verset.
ça s'est joué à un détail. Mm. Et la séduction se joue à un détail près. Bien sûr. C'est-à-dire, il faut juste qu'il y ait un petit moment de flottement pour que Satan nous croque. Bien sûr. Parce que la Bible ne nous dit pas effectivement combien de temps a duré la conversation entre Adam et Ève. Mais quand on lit le texte, on a l'impression, entre Ève et le serpent, bien sûr. Mais on réalise que ce n'est pas une longue conversation. Bien sûr, bien sûr. Et c'est allé très, très vite. Très vite. Donc, à partir du verset 1, « Et il arriva l'année suivante, au temps où les rois partaient en guerre, que David envoya Joab avec ses serviteurs et tout Israël pour détruire les fils d'Ammon et assiéger Rabba. Mais David resta à Jérusalem. » Donc là, on a une information. Bien sûr. David, c'était l'année de la campagne des guerres. Mmh. C'était le temps de la campagne des guerres. C'était donc le temps de travailler pour le Seigneur. Bien parce sûr. Que l'ordre qu'ils avaient, c'était de détruire toutes les nations inconverties, incirconcis qu'il y avait autour d'eux. Et cette mission n'avait pas été terminée à l'époque de Josué. Donc il fallait que les nations qui étaient autour, d'accord, d'Israël, d'accord, les territoires qui n'avaient pas encore été conquis, soient conquis par David. Mmh. Et Saül avait commencé cette démarche, mais malheureusement à cause du péché qu'il avait atteint, il n'avait pas terminé. David devait continuer. Or, l'année où il devait partir en guerre, il n'est pas allé, n'est pas parti. Donc, on comprend que la distraction, l'oisiveté, la paresse sont une source que Satan peut utiliser. Ce sont des appâts. Ce sont des appâts. Mm. Donc, on comprend ici que Satan attendait un moment opportun. Il voulait que David sorte de la présence de Dieu, en fait. C'est une façon de sortir de la présence de Dieu. Bien sûr, bien sûr. Parce que David avait l'onction royale sur lui et l'onction royale l'amenait à aller en guerre. Mm. David était un homme de guerre. Un homme de guerre. Et donc, c'était une façon de le sortir de la présence de Dieu parce que lorsque David partait à la guerre, il consultait Dieu. Et il y avait la présence de Dieu qui l'accompagnait. Donc, Satan attendait que David fasse une petite erreur. Et ici, c'est passé par la distraction. Et Satan nous prend beaucoup par la distraction, par la télé. Hein. La télé. Pour captiver les gens. Et c'est par la télé que le péché vient. On peut revenir sur le verset, frère. On peut garder le verset à l'écran, merci. Verset 2. « Et il arriva sur le soir que David se leva de sa couche. » Et comme il se promenait sur le toit de la maison royale, il aperçut de là une femme qui se baignait, et cette femme était très belle de figure. Mm. Donc, Satan, mon frère, s'est servi de ses yeux. Bien sûr. Ouais. C'est pourquoi il faut qu'on discipline nos yeux. C'est très, très important. Amen, amen. Il faut qu'on discipline nos yeux. Ici, deux choses, l'oisiveté, la paresse, la négligence, et Satan est passé par quelque chose que Dieu nous a donné, les yeux. Vous voyez? Et c'est pourquoi quand on parle justement de porter le fruit de l'esprit, c'est justement discipliner ses cinq sens. Mm-hmm. C'est discipliner ses pensées, donc son intellect. C'est discipliner sa bouche parce qu'on peut avoir les excès de table. C'est discipliner ses oreilles. C'est discipliner sa bouche parce que la Bible dit que tout homme soit prompt à écouter, lent à parler, lent à se mettre en colère. C'est ce qu'on appelle le fruit de l'esprit. Et ici, David va voir avec ses yeux. La convoitise. Et il va constater une chose. Mm. Comme Ève, c'est qu'elle était très belle. La convoitise des yeux. Voilà. Et cette femme était très belle de figure. David envoya demander qui était cette femme. Au lieu de s'arrêter là, de constater qu'elle était belle et de se rendre compte qu'elle est en train de se laver, ce que la Bible ne nous dit pas ici, c'est qu'il y a un euphémisme. Un euphémisme, c'est qu'elle était nue. Bien sûr, c'est donc clair. David a vu la nudité de cette femme. Mm. Au lieu d'aller se retirer et d'aller prier, ou même d'aller retrouver sa femme, ou ses femmes, parce qu'il en avait plusieurs, David va aller demander qui était cette femme. Et on lui dit, n'est-ce pas Bathsheba, fille d'Eliam, femme d'Uri le Hétien. Donc ici, on lui donne le même blocage pour lui dire, cette femme-là est mariée. Mais comme déjà la sémence était rentrée dans son cœur et qu'il avait continué à brûler les étapes en allant demander, Satan était en train de travailler dans son cœur. Et David, au verset 4, et David envoya des messagers pour la chercher. Elle vint vers lui et il coucha avec elle. Après s'être purifié de sa souillure, il retourna dans sa maison. Elle retourna dans sa maison. Cette femme devint enceinte et elle fit dire à David, je suis enceinte. Et on connaît tous la suite. De la convoitise des yeux, David est devenu un meurtrier. Amen. Ouais. Donc vraiment, mon frère, je ne sais pas si peut-être que tu voudrais renchérir là-dessus. Oh non, moi, cette histoire nous parle et nous interpelle beaucoup. Amen. Donc déjà, on apprend, qu'on a lu au début du passage, que David était un homme de guerre et c'était l'année, n'est-ce pas, de la conquête, de la bataille. Donc, on apprend que Satan, n'est-ce pas, pour nous avoir, il nous fait sortir de la présence de Dieu, mais aussi, lorsqu'on n'est pas là où Dieu nous veut, on est exposé à la chute. Parce que c'est ça, la séduction, comme on a vu, c'est vraiment l'appât. Il y a plusieurs appâts que Satan utilise. Un exemple,
Si par exemple un chrétien, au lieu de réunion, ou un chrétien qui prend plaisir à rester seul lui, par exemple, et qui ne va jamais aux réunions, mais Satan peut passer par là, n'est-ce pas, pour le séduire. C'est-à-dire que s'il reste à la maison pour suivre la télévision, c'est un exemple. Ou s'il n'est pas dans la présence de Dieu pour suivre la télévision, c'est évident qu'il risque de se souiller. Parce que c'est vraiment un principe biblique. C'est important d'être là où Dieu nous veut. Donc on apprend que David n'était pas là où Dieu le voulait. Dieu le voulait en guerre. C'est un homme de guerre. Et autre chose, on a vu que l'oisiveté, la distraction, encore était un autre appât. Justement parce qu'il n'était pas en guerre, il se retrouvait la nuit, il se réveillait de son lit, il se retrouvait à marcher sur le toit. Parce qu'en fait, Satan sait tout. Bon, pas comme Dieu, mais Satan en fait est rusé. Satan est rusé. C'est Dieu qui sait tout, c'est Dieu qui est le Père éternel. Amen. Mais on sait aussi que Satan, n'est-ce pas, parfait vers Jean, il arrive à détecter nos failles. Donc il a su que David n'était pas là où Dieu le voulait. Parce qu'on a dit qu'il est sorti de sa couche, ça veut dire qu'il était là dans son lit. Il dormait certainement. Donc, je suis convaincu que c'est Satan, n'est-ce pas, qui l'a inspiré cela, de quitter le vache-homme et aller sur la torture. Parce que Satan savait qu'il y avait une femme qui se lavait nue. C'est ça, Satan. Il travaille vraiment avec les semences. Et comme tu le disais tout à l'heure, moi, ça m'interpelle, les femmes me touchent. Il a vu la nudité de la femme. Logiquement, son attitude aurait été de repartir. Mais il ne s'est pas arrêté à voir la nudité. Il a convoité, il a voulu aller plus loin, savoir qui était cette femme. Donc on voit que le but de la semence dans nos cœurs, le but de la semence, c'est de germer. De la même manière que le but de la parole de Dieu, c'est de germer, c'est de croître. Le but de la semence, c'est que l'ennemi même, c'est de nous amener à pécher. Et on voit, comme tu l'as dit tout à l'heure, David a péché, il est allé plus loin, il est devenu meurtrier. Donc on comprend, n'est-ce pas, que de la même manière que le but de la parole de Dieu, c'est de croître dans nos cœurs, le but de la semence, c'est nous amener à pécher. Et un passage qui me vient à l'esprit, c'est Matthieu 24. La Bible dit que dans les temps de la fin, l'iniquité va s'accroître et l'amour du plus grand nombre va se refroidir. Donc on voit que le but de la séduction par rapport au péché, c'est de nous amener à perdre l'amour pour le Seigneur. Parce que l'iniquité grandit, mais comment l'iniquité grandit, l'amour du plus grand nombre se refroidit? Parce que justement, le but, la croissance du péché, le but du péché, c'est de tuer l'amour de Dieu dans nos cœurs, c'est de tuer l'amour de la prière, tuer l'amour de la méditation, tuer l'amour de la vérité, tuer l'amour pour le ciel. Parce que l'iniquité va grandir et l'amour du plus grand nombre va se refroidir. Donc, frère, on veut vraiment réveiller les chrétiens. On a vu que Satan procède par plusieurs appâts. La distraction est un appât, l'oisiveté est un appât. N'est-ce pas? Les yeux, nos yeux, ils utilisent nos sens. Nos sens sont utilisés comme étant des appâts. Si il sait que toi dans le monde tu aimais parler, n'est-ce pas, il va t'entourer de personnes qui aiment congosser. Il a là par la bouche, ta bouche sera n'a pas, tu vas passer toi à congosser et la bouche qui parle beaucoup ne manque pas de péché. Si toi dans le monde, n'est-ce pas, tu aimais écouter les histoires, il va emmener vers toi des gens qui aiment parler, là tes oreilles seront n'a pas. Si toi ton problème c'est les yeux, il va toujours amener les jolies filles et tu vas continuer à convoiter, convoiter et ça va t'amener au péché sexuel certainement. Donc, forcément, pour nous encourager, le but de la séduction, c'est de nous amener à pécher contre Dieu. Le but de la séduction, c'est de nous sortir du droit chemin. Mais comment ne pas faire pour être séduit aussi? Il faut rester dans la présence de Dieu. Il faut demeurer dans les limites de la parole de Dieu. Parce que lorsqu'on va plus loin, n'est-ce pas? Quand on sort des limites que Dieu nous a données, on s'expose à la chute, comme Adam et Ève. Dieu a dit, ne mangez pas. Satan vient et dit, Dieu a réellement dit, vous ne devez pas manger ce fruit. Ils ont commencé à échanger. Voilà. On ne doit pas donner accès à Satan dans nos vies. Amen. Et je ne sais pas si tu veux poursuivre dans ce sens ou on peut prendre un Non, autre non, passage. on peut prendre un autre passage. Hein, Je si comprends un tu autre veux passage. illustrer. Je comprends un autre passage. Dans 2 Corinthiens 11, 3. 2 Corinthiens 11, 3. Que Dieu vraiment nous réveille, hein, frère. 2 Corinthiens chapitre 11, le verset 3. Vraiment que Dieu nous aide à être éveillés. C'est Paul qui parle ici. On peut lire à partir du premier verset pour mieux comprendre le contexte. S'il vous plaît, à partir du premier verset. Plaise à Dieu que vous me supportiez un peu dans ma folie. Je vous prie, supportez-moi. Car je suis jaloux pour vous d'une jalousie de Dieu. Parce que je vous ai fiancé un seul époux pour vous présenter à Christ comme une vierge pure.
La virginité, c'est l'image de la sainteté. Donc, ici, on apprend que lorsqu'on est né de nouveau, on est conçu comme étant des saints. Le verset 3 nous apprend quelque chose. Mais je crains, comme le serpent a trompé Ève, donc on voit que la séduction, c'est la tromperie. Par sa ruse, vos pensées aussi ne se corrompent en se détournant de la simplicité qui est en Christ. C'est ça. Donc, on apprend ici que Satan, n'est-ce pas, pour nous sortir, gardez le partage sur l'écran, s'il vous plaît. Donc, on apprend que Satan procède pour nous faire tomber dans le péché par la tromperie, par la ruse. Et Paul ici dit, je crains que vos pensées aussi ne se corrompent. Parce que aussi, un autre moyen par lequel Satan nous séduit, c'est la compromission, la corruption. Et justement, il a corrompu les pensées de Ève. Parce que Dieu a dit, ne mangez pas. Logiquement, même si Satan venait converser avec elle, elle avait dit, Satan, on ne mange pas un point, un trait. C'est-à-dire que lorsqu'on veut commencer à flirter avec le mal, lorsqu'on veut commencer à se donner des ressens, ok, on parle de la fornication, mais est-ce qu'on a un petit ami, c'est un péché, tu es séduit. Parce que tu vas me dire que tu auras un petit ami, vous n'avez pas allé, vous n'avez pas vous touché. C'est ça la finalité. Donc, bon frère, la Bible parle des rapports sexuels avant le mariage, mais est-ce qu'avoir un petit ami, c'est un péché, tu commences à être séduit. Oh non, Jésus a transformé le en vin. Oh, donc ça veut dire que laissez-moi quand même un peu goûter ce que la Bible connaît, c'est l'ivresse. Là, tu es en train d'être séduit par rapport au péché. C'est comme ça. C'est une semence. Et ici, Satan corrompt nos pensées. De manière simple, si le vin n'apporte rien à ma foi chrétienne, n'est-ce pas? Même si Jésus a transformé l'eau en vin, moi, ce n'est pas mon problème. Dans le sens où je n'ai pas besoin de chercher à discuter est-ce qu'on peut boire le vin ou pas. Si ça n'apporte rien à ma foi, vaut mieux laisser. Lorsque je suis en relation avec un homme qui ne m'a pas épousé, qui n'est pas mon fiancé, tout ça là, qui ne craint même pas Dieu, bon, qu'est-ce que ça m'apporte? Au contraire, c'est des combats supplémentaires que j'ajoute à ma foi. Autant se séparer. Vous voyez, nous, on commence à raisonner. C'est ça la séduction par vos péchés. On raisonne avec le péché. Oh, toi aussi, frère. J'étais au carrefour, c'est pas moi. J'étais à X endroit. J'étais déjà en route pour aller à Y endroit, n'est-ce pas? On m'a appelé. Je suis en route, mais j'ai dit que je suis déjà arrivé. Non, ce n'est pas péché. Est-ce que tu vois, on commence à raisonner. Et Satan procède comment? Il corrompt nos pensées. Parce que n'oublions pas, frère, que Satan est rusé. On apprend ici que Satan est un trompeur. Donc il fait quoi? Il corrompt nos pensées, il corrompt nos désirs. Et ce qui était mal, on commence à le voir comme étant bien. Esaïe pouvait le dire. Malheur à ce peuple qui appellera le bien mal et le mal bien. N'est-ce pas? Et la solution par rapport au péché, c'est comment que ça procède? C'est comme ça, c'est ainsi que ça commence. La vie, n'oublions pas, d'un Corinthien, là-bas, il y a un peu de levain, fait lever toute la pâte. Donc un peu de légèreté, n'est-ce pas? Un peu de légèreté, un peu de tolérance. On commence à être séduit par le péché. Donc ici, on apprend aussi que Satan procède par la. Il corrompt nos pensées. Il nous trompe. Parce que la parole de Dieu est simple. La parole de Dieu est la vérité. On n'a pas besoin, n'est-ce pas, de raisonner avec les Écritures. Lorsqu'un chrétien commence déjà à raisonner, tu vas encourager un frère à la sainteté, il va dire, oh, vous abusez, vous êtes trop spirituel. Attention, il commence à être séduit par rapport au péché. Si, lorsqu'on interpelle un frère par rapport à la prière et la méditation, il trouve qu'on en fait trop, là, il commence à être séduit par rapport au péché. C'est quoi la séduction par rapport au péché? C'est aussi le fait pour les sœurs d'abuser avec le maquillage. Oui. Amen. C'est ça. On met lorsqu'on met le fond de teint, ça là, honnêtement, ça, c'est pas de Dieu. Parce que le but du fond de teint, c'est quoi? Mais c'est nous donner un faux teint. Si on est noir, on est noir, mon frère. Ou bien. Amen. Si on est noir, on est noir. Donc le fond de teint nous donne un faux teint. Et ça, c'est la séduction aussi. Lorsque, n'est-ce pas, à l'époque, on était simple, on fait bien simplement, mais on commence à mettre le mascara. On commence à mettre les phares. On voit que dans la Bible, qui mettait les phares? Mais c'est Jézabel. C'est Jézabel qui a mis les phares pour vouloir séduire le prophète Jéhu. C'est déjà pour séduire Jéhu. Donc on voit ici que lorsqu'on commence à se détourner de la simplicité de l'évangile, on commence à être séduit par rapport au péché. Pour les sœurs, on commence à mettre les colons serrés. Les colons serrés avec quoi? Avec les boubous. Ça, c'est la séduction. C'est la séduction. Pour les garçons, on commence à mettre les polos serrés. Alors qu'on sait qu'on a, on a des muscles. Mais c'est la séduction par rapport au péché. On met les jeans serrés au point où, quand on te voit, tu marches, tout ton appareil, n'est-ce pas, est dessiné. Ça, c'est la séduction. Et il y a certaines sœurs dans nos assemblées, frères, lorsqu'elles s'habillent, tu sais le sous-vêtement qu'elle a mis.
Pas parce que, n'est-ce pas, tu convoques une personne, parce qu'elle passe devant toi, tout est dessiné. Ça, c'est la séduction par rapport au péché. Nos pensées commencent à être corrompues. On commence à se conformer. Dans Romains 12, Paul le dit. C'est comme que la séduction par rapport au péché, c'est le fait de se conformer au siècle présent. On veut commencer à parler comme le monde. Fais le bangandisme. Fais le argot. Ça, c'est la séduction par rapport au péché. Je ne sais pas, mon frère, si tu as quelque chose encore à dire par rapport à ça. Je dis amen. Hein. Je dis amen. Hein. Est-ce qu'on peut prendre le passage de Romains 12 mm-hmm. Romains 12, les frères. Est-ce qu'on peut prendre. Vraiment, c'est vraiment profond. C'est profond. Parce qu'il y a tellement de choses qui sont présentes dans nos assemblées auprès des chrétiens que malheureusement, aujourd'hui, l'amour de la vérité a tellement disparu que beaucoup. Les gens ne veulent plus entendre parler de la réprimande. Ils ne veulent plus la réprimande. Ils veulent simplement des messages, des prédicateurs qui vont les caresser dans le sens du poil. Prospérité, on aime ça. Prospérité. Le mariage. Voilà, le mariage. Les affaires. Les visas. Bien sûr. Voilà. Alors que pour avoir un visa, on n'a pas besoin. On sait que Dieu peut donner un visa à quelqu'un. Mais Jésus n'est pas venu mourir à la croix pour les visas. Bien sûr, mon frère. Jésus n'est pas venu mourir à la croix pour le mariage. Bien sûr, mon frère. Jésus n'est pas venu mourir à la croix pour les affaires. Jésus est mort à la croix pour nous délivrer des œuvres, des ténèbres, du péché. Alléluia. C'est pourquoi Christ est mort à la croix. Parce que il y a des hommes qui ont les visas de 4, 5, 6 pays. Il y a des hommes qui ont des passeports diplomatiques, qui n'ont pas besoin des visas. Ils vont dans les pays comme ils veulent. Bien sûr. Sans avoir Christ. Donc Christ n'est pas mort à la croix. Donc Romains chapitre 12. À partir du premier verset. Romains 12 à partir du premier verset. Donc que Dieu vraiment nous aide, que Dieu vraiment nous réveille, quoi. Amen. Je vous exhorte donc, mes frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps en sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. Ce sera de votre part le culte raisonnable. Ne vous conformez pas à l'âge présent, mais soyez transformés par le renouvellement de votre esprit afin que vous éprouviez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Et tu vois, mon frère Christ, là, ils insistent sur le renouvellement de notre esprit. Amen. Pourquoi? Quand il parle de notre esprit, là, c'est dans le sens de notre intelligence. Amen. C'est dans le sens de notre connaissance. C'est dans le sens de notre approche des Écritures, de notre intellect, en fait, aussi. Parce que derrière, en fait, on lit la parole avec notre intelligence, mais c'est notre esprit, par l'esprit de Dieu en fait, qui comprend la parole de Dieu. C'est pourquoi ce n'est qu'en esprit qu'on peut la comprendre. Mais déjà, si au niveau de notre intellect, on est déjà pollué et que ce n'est pas l'esprit de Dieu qui nous conduit, qui nous dirige dans notre façon de comprendre les Écritures, ben, on va justement se conformer au siècle présent. Bien sûr. Pourquoi même d'ailleurs, par rapport à ça, on peut voir beaucoup de chrétiens qui aujourd'hui vendent leurs enfants même par rapport à la dot, parce que quand ils lisent les Écritures, par rapport à leur compréhension, par rapport à leur intellect, ben ils se disent que c'est normal de vendre leurs enfants par rapport à la dot. C'est vrai que ce n'est pas le sujet de ce soir, mais bon, c'est venu comme ça, il fallait vraiment qu'on en parle. Amen. On va prendre un autre passage. Alors, je pense qu'on va terminer avec là, si Dieu permet, par rapport à la séduction du péché, pour voir d'autres séductions. Ouais. On va prendre 2 Pierre, chapitre 3. C'est vraiment chaud par rapport à la séduction, par rapport au péché. Là. Ouais, c'est vraiment chaud. 2 Pierre, chapitre 3, à partir du premier verset. À partir du verset 3, on va lire. 2 Pierre, chapitre. On va lire à partir du premier verset, s'il vous plaît, les frères. Mes bien-aimés, c'est ici la seconde lettre que je vous écris, afin de réveiller dans l'une et dans l'autre, par mes avertissements, les sentiments purs que vous avez, afin que vous vous souveniez des paroles qui ont été dites auparavant par les saints prophètes et du commandement que vous avez reçu de nous qui sommes apôtres du Seigneur et Sauveur. Verset 3. Sachez tout d'abord que dans les derniers jours, il viendra des moqueurs se conduisant selon leurs propres désirs, en disant, où est la promesse de son avènement? Car depuis que les pères sont morts, toutes choses demeurent comme elles ont été dès le commencement de la création. Car ils ignorent volontairement ceci. C'est que les cieux furent autrefois créés par la parole de Dieu et que la terre est sortie de l'eau. On va s'arrêter là, on va revenir au verset 4. Voilà, c'est vraiment le verset qui nous intéresse. On nous dit qu'il viendra à la fin des moqueurs. Et Satan passe aussi par les hommes, comme Bien tu sûr. Le disais mon frère, par les personnes qu'on fréquente. C'est pourquoi je voulais vraiment interpeller les chrétiens que nous sommes, les véritables disciples de Jésus, à ce qu'on veille sur nos relations. Parce que c'est l'un des appâts que Satan utilise beaucoup. Moi, je me souviens, quand j'ai commencé ma marche chrétienne,
J'étais beaucoup influencé par mes relations, par mes amis d'enfance. Bien sûr. Ils ne le savaient peut-être pas, mais j'avais du mal à prendre des positions par rapport à la parole de Dieu à cause des relations que j'avais. Parce que je voulais à la fois plaire à mes amis, garder mes relations et en même temps plaire à Dieu. Or, ce n'était pas possible. La Bible, on ne peut pas servir deux maîtres à la fois. Or, des amis peuvent devenir comme des maîtres, en fait. Des relations peuvent avoir des maîtres, peuvent être comme des maîtres. Et ici, on nous dit qu'il y a des moqueurs. Et beaucoup de chrétiens marchent avec des amis moqueurs. C'est pourquoi ils finissent par se faire rattraper. Et on nous dit ici, il viendra des moqueurs, se conduisant selon leurs propres désirs. Mais si on marche avec quelqu'un qui se conduit selon ses propres désirs, on comprend que ces désirs, en fait, ce sont des désirs de la chair. Or, la Bible nous fait comprendre que la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Ils sont tous deux opposés. Donc, l'une des choses par lesquelles Satan passe pour nous séduire par rapport au péché, c'est aussi les relations. Ouais. Et si on marche avec des moqueurs comme ça, ben, on va finir par devenir comme ces personnes. Et ici, il y a quelque chose de particulier, c'est que ces personnes-là négligent l'avènement du Seigneur. Se disent, mais si Dieu devait venir, si Christ devait revenir, si le jugement devait se faire, si la terre doit être détruite, pourquoi ce n'est pas fait depuis ces années? Ouais. Et au travers de ça, Satan fait quoi? Il se dit, mais on se dit, mais c'est peut-être vrai, ça fait des années, ça fait 10 ans, on m'a dit que Christ devait revenir, j'attendais le mariage, je suis dans la galère, j'attends le boulot, et on commence à baisser la garde. On baisse la garde, on baisse la garde, et là, Satan frappe. Ouais, donc c'est vraiment pour interpeller les frères et les sœurs à veiller. Donc, on a donné comment faire pour ne pas être pris par la séduction, d'abord rester dans la présence de Dieu. Et c'est vrai que souvent quand on dit rester dans la présence de Dieu, parfois pour certains c'est vague. Rester dans la présence de Dieu, c'est rester dans la parole. Donc la méditation de la parole, la prière, l'écoute du Seigneur. Voilà. Prendre des temps de jeûne de temps en temps, selon que l'Esprit nous conduit, c'est important. Vous voyez, c'est vraiment, vraiment La important. communion La fraternelle communion aussi. fraternelle, c'est vraiment important. Oui, c'est vraiment important. Mais demeurer dans la parole de Dieu, dans la méditation de la parole de Dieu, dans la prière, l'écoute du Seigneur, et écouter aussi les conseils qui viennent de Dieu avec les frères et les sœurs qui craignent véritablement le Seigneur. Mais d'abord et surtout, écouter d'abord le Seigneur. Voilà. Donc, je ne sais pas, on va peut-être, je ne sais pas si tu veux dire autre chose, en attendant qu'on rebondisse, ou tu veux rebondir sur une autre séduction. Non, j'ai envie de toucher quelques bons papas ce qui sont par rapport au péché, mon Amen. frère. Amen. Et je veux qu'on prenne Proverbe chapitre 7. Amen. Oui, ça me venait vraiment à l'esprit, quoi. Et je ne Amen. vais pas laisser passer ça. Proverbe chapitre 7. On voit qu'une grosse séduction que Satan utilise, c'est Mami Wata. C'est l'esprit des eaux. C'est l'étranger. C'est la prostituée. N'est-ce pas? Et son but, c'est d'éteindre les véritables serviteurs de Dieu. Amen. Et on voit comment elle procède. Donc, on est dans Proverbe chapitre 7, à partir du premier verset, je crois. Parce qu'on a vraiment besoin, frère, de comprendre ces choses. Je crois que le thème de la séduction, c'est vraiment un thème vaste. Proverbe chapitre 7, on va lire à partir du premier verset. Mon fils, observe mes paroles et garde avec toi mes commandements. Garde mes commandements et tu vivras. Garde mes enseignements comme la prunelle de tes yeux. Lis-les à tes doigts. Écris-les sur la table de ton cœur. Dis à la sagesse, tu es ma sœur, et appelle l'intelligence ta parente, afin qu'elle te préserve de la femme étrangère, de l'étranger qui emploie des paroles doucereuses. Donc, on peut garder le passage sur l'écran. Donc, on apprend ici que, n'est-ce pas, la femme étrangère, l'esprit de Jézabel, n'est-ce pas, est un esprit qui sévit beaucoup dans les assemblées chrétiennes. Ne vous inquiétez pas, elle sévit aussi bien avec les hommes qu'avec les femmes. Elle emploie des paroles doucereuses, donc des paroles de séduction comme Satan fait avec Ève. Verset 6. Il dit, comme je regardais de la fenêtre de ma maison à travers mon treillis, je vis parmi les stupides. Et je remarquais parmi les jeunes gens un homme sans cœur. Donc on apprend ici que les gens que cet esprit de séduction atteint, c'est les stupides, les insensés. Pourquoi? Qui est considéré comme étant un insensé? C'est quelqu'un qui refuse d'écouter la parole de Dieu, qui refuse de se soumettre au Seigneur. La parole de Dieu appelle ces personnes des stupides, des personnes sans cœur. Il passait dans la rue près de l'angle où se tenait une de ses femmes et qui suivait le chemin de sa maison. C'est fort. Sur le soir, à la fin du jour, lorsque la nuit devenait noire et obscure, et voici, il fut abordé par une femme vêtue en tenue de prostituée, pleine de ruse dans le cœur. Mon frère, c'est les mêmes expressions. C'est fort ici. Fort, c'est vraiment fort.
Alors qu'elle avait déjà une tenue de prostituée. Elle avait la ruse dans le cœur. Donc on voit vraiment que cet esprit-là, c'est le même esprit de Satan. Et ici, là, on nous parle de l'esprit de Jézabel, de l'esprit de Zo, de l'esprit de séduction. Donc elle a abordé le jeune homme. Parce qu'elle est courageuse. Elle est audacieuse, elle est arrogante. Elle voit un jeune homme, elle aborde le jeune homme. On dit quoi? Elle était bruyante et débauchée. Ses pieds ne restaient pas dans sa maison. Donc on voit ici que c'est une femme instable. Et dans nos assemblées, dans nos entourages, il y a tellement de femmes ainsi qui sont comme cette femme-là. Elles sont instables, elles sont bruyantes, elles sont agitées. Est-ce que tu vois mon frère? On dit tantôt dehors, tantôt sur les places, elle se tenait aux aguets à chaque coin de rue. C'était une piégeuse, mon frère. C'était une piégeuse. Elle se tenait aux aguets, n'est-ce pas? Et on sait que, n'est-ce pas, le lion, avant d'attaquer sa proie, il se met aux aguets. Et la Bible nous enseigne là-bas dans Pierre que Satan rôde comme un lion rugissant, ce sont qui va dévorer. C'est ça la séduction, on ne va pas au péché. Satan rôde autour de nous, mon frère, et lorsqu'il voit une séduction, lorsqu'il voit une ouverture, il frappe. Et beaucoup de chrétiens ne veillent plus. Un autre élément que Dieu vient de me donner là, pour ne pas tomber dans la séduction, il faut veiller. Et mon frère, on ne veille plus. On est tellement distrait comme David, on est tellement dans l'oisiveté, on ne veille plus. Veillez, c'est être prudent. Faire attention à ce qu'on voit, ce qu'on entend, ce qu'on dit, ce qu'on fait. Parce que Satan n'attend que la moindre ouverture. Comme ici, on apprend qu'elle est aux aguets. Donc elle rôde. Fait une piégeuse, comme dit mon frère. Elle le saisit et l'embrassa. Quelle audace! Et avec un visage effronté, elle lui dit, j'ai ce mois des sacrifices d'offrande de paix. J'ai aujourd'hui accompli mes vœux. Donc on apprend ici, n'est-ce pas, que Satan mandate ce genre de femme ou ce genre d'homme pour faire chuter les chrétiens. Tu vas voir une soeur en Christ, matin, midi et soir, il n'y a que toi. Tu vas voir un frère, matin, midi et soir, il n'y a que toi. Là, ça devient dangereux. Parce que justement, ces personnes sont mandatées par Satan pour nous faire chuter dans le péché sexuel. Donc elle dit que j'ai ce mois de sacrifice d'offrande de paix. Et j'ai aujourd'hui accompli mes vœux. Verset 15. C'est pourquoi je suis sorti au devant de toi pour te chercher soigneusement. Je t'ai trouvé. Frère, ne nous méprenons pas. Autant que nous sommes, depuis le jour où on a décidé de nos cœurs à Jésus, on a déclaré la guerre au royaume des ténèbres. Il y a des démons, des esprits qui ont été expressément mandatés pour nous faire chuter. Si on ne veille pas, on n'est pas dans la présence de Dieu, on est en danger. Elle dit, si elle était cherchée soigneusement. Soigneusement, ça veut dire qu'elle a pris tout le temps, avec délicatesse. Elle a pris le temps d'observer. Elle dit, je t'ai trouvé. Parce que justement, Satan ne lâche jamais l'affaire. Il ne lâche pas l'affaire. Il sait qu'il est déjà jugé, il sait qu'il est condamné. Donc il veut nous amener aussi avec lui à la perdition. Elle dit au verset 16, j'ai garni mon lit de couverture, d'étoffe et de fil d'Égypte. Et Dieu m'interpelle un jour sur l'Égypte. Le mot Égypte nous parle de la dépression. L'Égypte, c'est la terre de dépression. Donc le but de Mami Wata, de l'esprit des autres, de l'esprit de Jézabel, après nous avoir fait chuter avec elle, c'est de nous faire tomber dans la dépression. Au point où on parle de la vie de Dieu, on ne croit plus que Dieu peut nous pardonner. Elle nous fait tomber dans la dépression. Elle dit, je l'ai parfumé de myrrhe, d'aloe et de cinnamome. Viens, enivrons-nous de plaisir jusqu'au matin. Réjouissons-nous en amour. Quand mon mari n'est pas à la maison, il est parti pour un voyage. Donc, comment c'est une femme adultère? Et justement, cet esprit de séduction, c'est un esprit d'adultère. Parce que même l'amour du monde est considéré comme une inimitié pour le Seigneur. Verset 20, on finit bientôt, mon frère, excuse-moi. Il a pris avec lui un sac d'argent. Et il retournera en sa maison au jour assigné. Verset 21. Elle a fait détourner par beaucoup de douces paroles et l'a attiré par la flatterie de ses lèvres. Donc on comprend ici que Satan, pour nous faire chuter, il passe aussi par la séduction par rapport aux paroles. Tous les jours, on te dit, ma soeur, tu es belle, tu es jolie, tu es belle, tu es jolie, tu es la plus belle. Ça là, c'est les paroles qui ont promis de te faire tomber dans le sexe. Tu es un prédicateur tout le temps. Oh, quand tu prêches, le feu descend du ciel. Vraiment, il n'y a pas deux comme dans l'assemblée. Attention. Parce que le but de ces paroles-là, c'est d'amener à pécher contre Dieu. Donc, elle l'a fait détourner par beaucoup de douces paroles. Justement, Satan nous séduit aussi par des flatteries. Par les belles paroles. Oh, tu es le plus beau, tu es la plus belle, tu es le plus galant, tu es le plus élégant. Il y a danger. Parce que ces paroles ont pu nous gonfler.
Mais on ne connaît que de la poussière, mon frère. On est que de la poussière. On n'a pas de raison d'être orgueilleux, de se vanter à cause des dons de grâce que Dieu nous a fait. Mais le but de cet esprit, n'est-ce pas, c'est que les hommes nous encensent. On te met en haut comme dans nos assemblées. Où le pasteur a pris la place de Dieu. Il est sur son trône avec maman pasteur. C'est ça. Ils se prennent pour des petits dieux. Il a attiré par la flatterie de ses lèvres. Verset 22. Il s'en alla aussitôt après elle, comme un bœuf qui va à la boucherie, comme le fou qu'on lit pour être châtié. Wow. C'est des paroles fortes, mon frère. Donc lorsqu'on est séduit, frère, je vous assure, il y a un voile sur nos yeux. Il y a un voile. Au point où on retrouve aujourd'hui des pasteurs, des soi-disant pasteurs, qui couchent avec des jeunes filles de 12 ans, 13 ans. Mais c'est un voile. Comment un monsieur responsable d'une décision d'une quarantaine d'années peut-il coucher avec une jeune fille de 12 ans? Il y a un voile qui a été posé. Et c'est ça ici. Ils vont comme des fous qu'on lit pour être châtiés. Il n'y a plus le sens. C'est pourquoi on a dit que c'est des stupides. Un stupide, c'est un insensé. C'est quelqu'un qui n'a plus le bon sens. Ils ont perdu. Lorsqu'on est séduit, par rapport aux personnes, le bon sens, mon frère. Comment peut-on comprendre que les hommes font l'image de Dieu ont des rapports sexuels avec des animaux? Il faut être séduit. Il faut être fou pour avoir ce genre de réaction. Comment peut-on comprendre que homme et homme, femme et femme vont ensemble sexuellement? Il faut être fou, il faut être stupide pour avoir ce genre de vie. La Bible considère ces hommes comme étant des stupides. Donc verset 23, jusqu'à ce que la flèche lui ait transpercé le foie. Mon frère, j'ai envie de te poser une question. Est-ce qu'on peut vivre sans le foie? Non. Donc on comprend ici que le but de l'esprit des eaux, l'esprit de Jézabel, de séduction, c'est de nous tuer. Tuer la vie de Dieu, nous rendre complètement en néant. Donc la flèche transperce le foie, comme l'oiseau qui se hâte vers le filet sans savoir que c'est au prix de sa vie. On voit ici que c'est des appâts que cet esprit, n'est-ce pas, utilise pour nous tuer. Verset 24. Maintenant donc, mon fils, écoutez-moi et soyez attentifs aux paroles de ma bouche. Que ton cœur ne se détourne pas vers les voies d'une telle femme et ne t'égare pas dans ses sentiers. Encore égaré. Ne sois pas séduit par sa route, par son chemin. Verset 26 pour terminer. Car elle a fait tomber, mon frère, beaucoup de. Elle a fait tomber plusieurs blessés à mort. Et tout ce qu'elle a tué était fort. Non, mon frère, tu comprends que cet esprit est terrible. On dit elle a fait tomber plusieurs blessés à mort. Et tout ce qu'elle a tué était fort. Donc on apprend, n'est-ce pas, que cet esprit s'attaque aux hommes spirituels. Ou bien, mon frère. Si, si. Tout ce qu'elle a tué était fort. Ouais. C'était des hommes qui craignaient Dieu. Qui avaient une fille avec Dieu. Parce qu'elle nous attaque pour l'homme charnel. Donc sa maison est le chemin du Sheol qui descend vers les demeures de la mort. Donc on comprend que le but de cet esprit, l'esprit de séduction, l'esprit de Jézabel, l'esprit des eaux, n'est-ce pas, c'est nous amener complètement en enfer. Le chemin du Sheol qui descend vers les demeures de la mort, la seconde mort. Je ne sais pas, mon frère, si tu as quelque chose à dire par rapport à cet esprit-là qui sévit. Je crois que Dieu veut qu'on insiste vraiment dessus. Parce que dans mon cœur, je reste vraiment convaincu que le Seigneur veut vraiment qu'on insiste vraiment sur cet aspect de la séduction du péché. Oui, mon frère. Surtout cet aspect de l'esprit de Jézabel qui travaille, en fait. Bien sûr. Alors, on va peut-être réexpliquer à ceux qui ne le savent pas, c'est quoi l'esprit de Jézabel. Déjà, à l'origine, Jézabel, c'est une personne qui existait. C'était la femme du roi Akab. Akab était roi. D'accord, du royaume d'Israël. D'accord, c'était un roi et c'était un roi très impie qui s'était marié avec la fille du roi de Sidon. Or, on sait que Sidon, d'accord, était l'un des descendants de Noé qui avait été maudit. Voilà. Et cette femme était une femme qui aimait les enchantements, qui aimait les fétiches, et elle a voulu faire détruire les prophètes de Dieu, les enfants de Dieu, et elle a amené l'abomination en Israël. Vous pouvez retrouver son histoire dans le livre des rois. Vous allez retrouver son histoire là-bas. D'accord? Donc, je voudrais qu'on prenne un autre passage. Un autre passage dans le livre d'Apocalypse. Apocalypse chapitre 17. On peut me rester sur la session par rapport au péché d'abord. Ouais, on va rester dessus. Je crois que vraiment le Seigneur veut qu'on reste vraiment dessus. Bien sûr. Alors, Apocalypse chapitre 17, on va lire à partir du premier verset. Apocalypse 17 à partir du premier verset. Voilà. Donc, Apocalypse 17 à partir du premier verset. Puis l'un des sept anges qui tenait les sept coupes, vint et il m'adressa la parole en disant, « Viens, je te montrerai le jugement de la grande prostituée qui est assise sur les grandes eaux. C'est avec elle que les rois de la terre se sont prostitués et les habitants de la terre ont été enivrés du vin de sa relation sexuelle illicite. » Donc, on comprend que ce démon
a pour objectif d'enivrer les habitants de la terre. Bien sûr. Du vin de ces relations sexuelles illicites. Et on comprend que ce vin-là qui enivre les gens aussi par... Parce que si son vin, c'est les relations illicites, on comprend que la conséquence de boire ce vin-là, qu'elle boit, ben c'est de produire le même fruit. Si quelqu'un boit un vin alcoolisé à 45 degrés, ben c'est dans l'objectif de pouvoir enivrer les gens rapidement. Bien voilà. Au verset 3, « Il me transporta en esprit dans un désert, et j'ai vu une femme assise sur une bête écarlate, pleine de noms de blasphème, ayant 7 têtes et 10 cornes. Et la femme, verset 4, « Et la femme était vêtue de pourpre, et d'écarlate, et parée d'or, de pierres précieuses et de perles. Et elle tenait à la main une coupe d'or, pleine des abominations de l'impureté de sa relation sexuelle illicite. Il y avait, verset 5, il y avait sur son front un nom écrit, un mystère, Babylone la grande, la mère des prostituées et des abominations de la terre. Et j'ai vu cette femme ivre du sang des saints et du sang des martyrs de Jésus. Et en la voyant, je fus étonné d'une grande admiration. » On va d'abord s'arrêter là. On comprend que principalement cette femme-là aime s'enivrer du sang des saints. Donc mon frère, c'est toi, c'est moi, c'est les autres disciples de Jésus qui sont partout dans la ville de Port-Gentil, qui sont partout dans le monde, dans les nations que cette femme veut croquer. Elle veut manger. Et on voit bien l'image dans Proverbes chapitre 7 qu'on a vu, qu'elle a tué les plus forts. Et on sait que les plus forts, ce sont les enfants de Dieu. Bien sûr. Donc son objectif en fait c'est de nous croquer par quoi? La séduction. Par la séduction du péché. Et on nous fait comprendre que l'une de ses armes, d'accord, l'une de ses armes, ce sont les prostitutions. Parce qu'on peut remonter un peu au verset 4, je crois. Verset 4, voilà, on nous fait comprendre que c'est les abominations de l'impureté de sa relation sexuelle illicite. Et on sait que les relations sexuelles illicites, bibliquement, il y a deux choses. Il y a la fornication et il y a l'adultère. Or, on sait bien que l'adultère, selon Dieu, l'adultère, elle peut être l'adultère sexuel, comme ça peut être l'adultère par rapport à l'amour de beaucoup de choses, en fait. Bien sûr. Donc, l'amour par rapport au péché, l'amour par rapport au bien, l'amour par rapport à l'argent, l'amour par rapport aux choses de ce monde. Et on nous fait comprendre que cette femme, elle était vêtue de pourpre. Or, le pourpre, on sait que ce sont des habits royaux, en fait. C'est des habits de haute qualité. C'est la mode. On veut dire que ça représente un peu la mode aujourd'hui. Ouais. Et on sait qu'aujourd'hui, Satan, pour amener les enfants de Dieu à vouloir tomber, c'est aussi par la mode. Aujourd'hui, on voit tellement de femmes mal habillées dans les assemblées. Des femmes qui viennent en coulant, comme tu le disais. Moi, je me souviens d'une assemblée que j'ai fréquentée. Je ne vais pas citer son nom parce qu'on ne veut pas faire la pub de cette assemblée inutilement. Mais il y avait des jeunes filles qui mettaient des robes moulantes pendant des soirées que l'assemblée est organisée. Parfois, c'était des concerts. Elles avaient des robes moulantes. Il y avait des soirées qui étaient organisées en fin d'année où on se donnait des cadeaux. On met des robes moulantes et parfois, on élu même la femme la plus belle de l'assemblée. Abomination totale. Et ce n'était pas possible, mon frère. Et tout ça, ce sont des séductions par lesquelles Satan passe. Et on voit bien que cette femme, elle était vêtue de belles choses. Des choses attirantes. On ne dit pas que tous les chrétiens qui sont beaux, qui s'habillent bien, sont forcément touchés par cet esprit. Ce n'est pas ça. Mais on doit comprendre que derrière cet esprit, il y a beaucoup de séduction. Il y a beaucoup d'attirance. Pour faire quoi? Pour croquer les enfants de Dieu. Pour les amener dans quoi? Dans les rapports sexuels illicites. Et on sait que ces rapports sexuels illicites, ben, derrière, il y a beaucoup de choses. On sait qu'il y a la séduction par rapport aux fausses doctrines. Effectivement, on aura peut-être l'occasion de toucher par la grâce de Dieu. On sait qu'il y a beaucoup de choses. Mais c'est beaucoup plus surprenant ce passage, c'est pour expliquer que cet esprit qu'on a vu dans Proverbes chapitre 7 existe bel et bien. Et cet esprit travaille dans les temps présents et va continuer à travailler jusqu'à ce que Satan et toute son équipe soient complètement jetés dans les temps de feu. Et on va descendre plus bas. On va voir comment cet esprit, on va voir où cet esprit. Alors, donc même Jean au chapitre 6, au verset 6, hein, est complètement étonné. Hein. Il est étonné parce que on nous dit qu'il fut étonné d'une grande admiration parce que l'esprit était beau. On va descendre, on va aller plus bas, au verset 7. Justement, les habitants de la terre admiraient tellement cet esprit. Et l'ange me dit, pourquoi es-tu dans l'admiration? Je te dirai le mystère de la femme et de la bête qui la porte, qui a les 7 têtes et les 10 cornes. La bête que tu as vue était, elle n'est plus, et elle n'est plus. Elle doit monter de l'abîme et aller à la destruction.
Et les habitants de la terre, ceux dont le nom ne sont pas écrits dans le livre de vie dès la fondation du monde, seront dans l'admiration en voyant la bête parce qu'elle était et qu'elle n'est plus, et qui toutefois est. C'est ici qu'il faut avoir un esprit intelligent et qui est de la sagesse. Les sept têtes sont sept montagnes sur lesquelles la femme est assise. Ce sont aussi sept rois. Les cinq sont tombés. L'un est et l'autre n'est pas encore venu. Et quand il sera venu, il faut qu'il demeure pour un peu de temps. Alors, on va descendre plus bas. Ce qui nous intéresse surtout, on va descendre plus bas. Plus bas encore. OK, plus bas. OK. OK, au verset 15. Puis il me dit, les eaux que tu as vues et sur lesquelles la prostituée était assise sont des peuples, des nations et des langues. Donc, on voit que cet esprit-là règne sur toutes les langues. Sur tous les peuples, que ce soit les blancs, les jaunes, les noirs, les rouges, et sur toutes les nations, que ce soit le Gabon, la France, les États-Unis, partout. Donc on ne peut pas fuir cet esprit en quittant une ville. On ne peut pas fuir cet esprit en quittant un lieu. On ne peut même pas fuir cet esprit en quittant une assemblée. C'est clair. Parce que c'est un esprit. C'est pourquoi il faut qu'on veille, en fait. Il faut vraiment qu'on veille. Parce que c'est un esprit qui a pour objectif de faire tomber beaucoup de gens. Merci Seigneur. Ça me fait penser à l'histoire de Samson. Bien sûr. Peut-être qu'il faut qu'on lise ça. Est-ce qu'on peut prendre Juge? Juge, on va lire Juge chapitre 16. Juge chapitre 16. Juge chapitre 16, on va lire à partir du verset 1 et on va sauter après pour aller au verset 15 plus tard. Juge chapitre 16, à partir du verset 1. Voilà, Juge chapitre 16, à partir du verset 1. Juge chapitre 16, à partir du verset 1. Voilà. Or, Samson s'en alla à Gaza. Il y vit une femme prostituée. C'est toujours la même méthode. Toujours la même méthode. Et comme on disait en entrée, c'est que Satan utilise des méthodes qui marchent. Si on ne veille pas, elles sont connues, mais il les utilise à chaque fois et ça marche quand même. Il y vit une femme prostituée et il entra chez elle. Et on dit aux gens de Gaza, Samson est venu ici. Ils l'entourèrent et s'éteignirent en embuscade toute la nuit. À la porte de la ville, ils restèrent tranquilles toute la nuit en disant, au point du jour, nous le tuerons. Samson devra coucher jusqu'au milieu de la nuit. Au milieu de la nuit, il se lava et saisit les battants de la porte et de la ville et les deux poteaux et les retira avec la barre, les mit sur ses épaules et les porta sur le sommet de la montagne qui est en face des bons. Après cela, il aima une femme dans la vallée de Sorek. Elle se nommait Delila. Les princes des Philistins montèrent vers elle et lui dirent, « Séduis-le jusqu'à ce que tu saches de lui en quoi consiste sa grande force. » Et comment pourrions-nous le vaincre? Et nous le lierons pour la battre. Et nous te donnerons chacun 1100 cycles d'argent. Mon frère, voilà la méthode de Satan. Bien sûr. Séduction. Il va passer par une femme pour détruire quelqu'un qui était loin de Yahweh. Mm-hmm. C'est terrible. C'est terrible. Verset 6. Delila dit à Samson, dis-moi, je te prie. En quoi consiste ta grande force et avec quoi il faudrait te lier pour t'abattre? Samson lui répondit, si on me lie avec sept cordes neuves, qui ne soient pas encore sèches, je deviendrai faible et je serai comme un être humain. Les princes des Philistins amenèrent à Delila sept cordes fraîches qui n'étaient pas encore sèches et elle le lia. Il y avait chez elle une chambre des gens qui se tenaient en embuscade. Elle lui dit, les Philistins sont sur toi, Samson. Alors il rompit les cordes comme se romprait un cordon doux d'étoupe dès qu'il sent le feu. Et le secret de sa force ne fut pas connu. Puis Delila dit à Samson, voici tu t'es moqué de moi, car tu m'as dit des mensonges, je te prie, déclare-moi maintenant avec quoi il faut te lier. Il lui répondit, si on me liait avec des cordes neuves dont on ne se serait jamais servi, pour un quelconque ouvrage, je deviendrai faible et je serai comme un être humain. Delila prit des cordes neuves avec lesquelles elle le lia. Puis elle lui dit, les Philistins sont sur toi, Samson. Et il y avait des gens en embuscade dans une chambre et il rompit les cordes
comme un fil. Puis Delilah dit à Samson, tu t'es moqué de moi jusqu'ici et tu m'as dit des mensonges. Déclare-moi avec quoi il faut te lier. Il lui dit, tu n'as qu'à tresser les sept têtes de ma tête avec la chaîne du tissu. Et elle les fixa sur la cheville. Puis elle dit, les Philistins sont sur toi, Samson. Alors il se réveilla de son sommeil et il retira la chaîne du tissu. On va aller au verset 15 pour voir comment cet esprit travaille avec le temps. Beaucoup de patience, beaucoup de malice. Alors elle lui dit, comment peux-tu dire je t'aime puisque ton cœur n'est pas avec moi? Tu t'es moqué de moi par trois fois et tu ne m'as pas déclaré en quoi consiste ta grande force. Comme elle le tourmentait et l'importunait tous les jours par ses paroles, son âme en fut affligée jusqu'à la mort. C'est grave. C'est grave, mon frère. Alors, il lui ouvrit tout son cœur et lui dit, le rasoir n'est jamais passé sur ma tête, car je suis nazaréen de Dieu dès le ventre de ma mère. Si j'étais rasé, ma force partirait, je deviendrais faible et je serais comme tout humain. Delilah, en voyant qu'il lui avait dévoilé tout son cœur, envoya appeler les princes des Philistins et leur dit, montez, cette fois, il m'a dévoilé tout son cœur. Et on va voir au verset, on va descendre. Alors, on va remonter au verset 20. Ok. Alors, elle dit, les Philistins sont sur toi, Samson. Et il se réveilla de son sommeil et dit, je m'en sortirai comme les autres fois et je me dégagerai. Mais il ne savait pas que Yahweh s'était retiré de lui. Donc, on voit que Samson lui-même, Samson était séduit déjà dès le départ parce que le fait que la force de Yahweh était toujours sur lui, il pensait qu'effectivement, il pouvait continuer à faire comme il faisait. Mais on a vu que cet esprit-là a pris beaucoup de temps par Delilah pour l'atteindre, mon frère. Bien sûr. Donc, je ne sais pas si tu voudrais renchérir par rapport à ça. Non, mais je crois que on a lu Apocalypse 13, je crois. Mm-hmm. On a lu Proverbe 7 et là, Juge 16, c'est ça? Oui, Juge 16. On voit que cet esprit, en fait, provient de la même manière. C'est toujours des paroles doucereuses, c'est des flatteries, ainsi de suite. On a vraiment besoin que Dieu nous aide. Et on voit que, comme tu le disais tantôt, Satan ne change pas de stratégie. Mais malheureusement, cette stratégie marche toujours. C'est parce que seulement nos cœurs sont prédisposés aussi à pécher contre Dieu. Que Dieu nous aide vraiment à obéir à sa parole et à demeurer sa parole. Comme on voit ici, Samson, la main de Dieu était sur lui. Et ce qui me touche vraiment ici, mon frère, c'est que quand on est séduit, on est vraiment voilé. Amen. Parce que je ne comprends pas comment la femme d'Alila demande à Samson le secret de sa force. N'est-ce pas? Et lorsqu'elle lui demande le secret de sa force, Samson lui donne comme un faux secret. Mais lorsqu'il donne ce faux secret, il voit que la femme quand même réalise ce qu'il a dit. À trois reprises, elle fait la même chose. Il aurait dû comprendre normalement que cette femme lui voulait du mal. Mais quand on est séduit, c'est comme si il y a un voile. Il y a un voile qui nous empêche de voir les choses en face. C'est vraiment comme une brebis. Il était vraiment comme cette brebis qu'on a vue, qu'on allait tondre. Comme un fou qu'on amenait, qu'on liait. Parce que tu dis pas à une femme, ma force, c'est comme Élie, les sept tresses. Bon, elle prend un fil, elle te lit les sept tresses et les Philistins viennent pour t'attaquer. Tu te réveilles, tu les frappes. Mais ses yeux auraient dû être ouverts. Mais cette femme-là, mais elle est dangereuse. Mais comme son cœur était déjà mangé, son cœur était déjà séduit, voici pourquoi il ne pouvait plus voir. Donc là, on apprend que lorsqu'on est séduit, généralement, on peut ne plus le savoir. Et c'est là où c'est aussi dangereux. Et voici pourquoi en fait, beaucoup de pasteurs aujourd'hui, comme ils arrivent à faire des miracles, ils pensent que Dieu est encore avec eux, comme Samson. Ils sont encore me délivrés comme les autres fois. Alors que Yahweh était déjà retiré de lui. Et c'est ça, lorsqu'on est séduit, le Seigneur se retire. C'est pourquoi il est important, comme on a vu, d'écouter Dieu. Il est important d'avoir une intimité, une relation avec Dieu. Il est important, n'est-ce pas, de rester dans la présence de Dieu et de veiller. Car la femme étrangère, l'esprit des eaux, Jézabel, elle est beaucoup patiente. Prend beaucoup de temps. Elle prend beaucoup de elle temps. Elle prend beaucoup de temps. Ouais. Et on sait que, comme la Bible nous dit, hein, la Bible nous dit dans Matthieu 4 et dans Luc 4, concernant le Seigneur, lorsque Satan va le tenter dans le désert, après qu'il lui ait jeûné, la Bible nous dit qu'il va se retirer pour chercher une occasion plus favorable.
Bien sûr, bien sûr. Et on sait que c'est comme ça que Satan travaille, il prend tout son temps. Vous savez, les démons ne sont pas soumis à la fatigue comme nous. Bien C'est-à-dire, sûr. ils ne sont pas soumis au sommeil. Voilà, ce sont des esprits. Ils travaillent nuit et jour, ils ne se reposent pas. Donc, ils sont toujours en train de nous épier. Et il faut savoir qu'il y a des démons qui nous épient. Il y a des démons qui épient les hommes dans leurs activités. Voilà. Notamment, la Bible nous parle du Baal ailé. Donc, il y a un démon qui est rapporteur, en fait. Un démon qui est là pour épier les gens. Et on doit vraiment, vraiment veiller parce que Satan prend la peine de nous étudier et de voir comment nous frapper. C'est pourquoi on a besoin de demeurer dans la présence de Dieu. Amen. On a besoin de demeurer dans l'amour de Dieu. On a besoin de demeurer dans la crainte de Dieu véritablement pour pouvoir garder sa parole, pour pouvoir être gardé par lui, pour pouvoir se maintenir dans la sainteté, dans la justice et pouvoir être sauvé, mon frère. Parce que Amen. La chose la plus importante dans tout ça, si on doit lutter contre la séduction, lutter contre le péché, on n'a qu'un seul objectif à atteindre, c'est aller au ciel. Alléluia. C'est être pour l'éternité avec Jésus, c'est pouvoir garder la parole de Dieu et honorer le Seigneur. Et nous disons aux chrétiens, c'est possible de pouvoir tenir ferme et d'honorer le Seigneur chaque jour de sa vie. Il peut y avoir des moments où on peut avoir un relâchement, mais par la grâce de Dieu, si on garde la parole, on s'éloigne de la séduction, en gardant les commandements de Dieu, on peut tenir jusqu'à la fin. Donc, mon frère, je propose qu'on mette une pause. C'est ce que j'allais proposer. Et qu'on revienne tout à l'heure pour la suite. Pour la suite. Donc, frères et sœurs, voilà, on a partagé la première partie sur la séduction du péché. Donc, on va prendre une pause et on reviendra pour la suite par rapport au thème. Donc, merci et à tout à l'heure.